奉耶稣圣名说话，我努力相信主之宝。各位弟兄姐妹，大家平安。Que la paix soit avec vous tous, chers frères et sœurs. 感谢神，让小弟能够有机会，跟各位一起来学习，圣经的道理。Grâce au Dieu de me donner cette occasion d'étudier avec vous la parole de la Bible. 在今天跟明天的这个圣经学习当中，我们要来查考旧约圣经里头的一卷小先知书。Aujourd'hui et demain, pendant notre étude, notre séminaire biblique, nous allons étudier un livre prophétique de la Bible, c'est Sophonie. 我们这一次要来查考这个西番雅书。Donc nous allons étudier Sophonie. 我们知道这个先知书其实跟我们有直接的关系的。Nous savons qu'il y a un lien étroit entre le livre prophétique et nous. 它并不是光光记载有关当时在先知的那个世代所发生的事情而已。Ces livres ne se contentent pas de nous relater ce qui s'est passé à l'époque des prophètes. 我们在查考旧约圣经的时候会发现到神常常兴起他的先知来向他的百姓发出警告。Nous voyons dans les livres prophétiques que souvent à l'époque Dieu suscite un prophète pour lancer des avertissements à l'endroit du peuple. 主要是要百姓离开自己所犯的这个罪，能够全心全意的来归向神。Essentiellement pour inviter le peuple àse détourner de leur péché pour revenir à Dieu. 但是同时我们在看这个先知书的这个内容的时候， et quand nous examinons le contenu des livres prophétiques, 我们也发觉到说它也是指向末世真教会将会面临的一些事情。 Donc nous apercevons qu'ils font allusion aussi à un certain nombre d'événements auxquels l'Église de la fin des temps doit faire face. 那根据彼得这个使徒彼得的这个讲解。D'après les explications de l'apôtre Pierre. 他说有关这个将要来的这个救恩的事情呢，其实众先知，就是旧约的先知，他们都很努力的在查考。Donc, ce qui concerne le salut, les anciens prophètes.Déployer leurs efforts pour comprendre. 但是不是为了他们，而是为了我们。Non pas pour eux-mêmes, mais pour nous. 所以从彼得这样的一个讲解当中，就让我们知道说，这个先知书里头所记载的主要的这个信息是要给末后真教会来去学习的。D'après les explications de Pierre, nous comprenons donc que ce que les prophètes prophétisaient, c'est essentiellement un message à l'adresse de l'Église de la fin des temps. 所以当我们在查考先知书的时候，我们当然不会忽略掉这个历史的层面。Quand nous étudions les livres prophétiques, bien sûr, nous ne négligerons pas l'aspect historique.那更不可忽略的就是这个属灵的层面，就是讲论有关教会将会发生的事情。Encore moins l'aspect spirituel, celui qui concerne les choses qui vont survenir à la fin des temps. 所以我们这一次呢，在查考先知书，就是以这样的一个方向来去查考这个西番雅书。Cette fois-ci, quand nous étudions le livre de Sophonie, c'est dans cette direction que nous essayons de l'étudier. 我们知道这个西番雅是在这个犹大做先知的。Nous savons que Sophonie était un prophète en Judée. 我们可以先来看第一章的第二一节。Lisons d'abord le chapitre 1, verset 1.我们看第一章的第一节。Sophonie, chapitre 1, verset 1. 当犹大王亚门的儿子约西亚在位的时候，
耶和华的话临到西西家的玄孙，亚玛利亚的曾孙，基大利的孙子，古士的儿子西番亚。Parole éternelle qui fut adressée à Sophonie, fils de Cushi, fils de Guedalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. 那我们在念这一节的时候，我们会觉得说有一点不寻常，因为他在介绍这个先知的时候，他是谈到他的这个什么祖父哈。Et donc, quand nous lisons ce verset, nous avons l'impression que c'est inhabituel parce qu'en parlant du prophète, il mentionnait tous ses ancêtres. 不单只谈到这个曾祖父啊，甚至谈到更前面的，就是西西家王。Donc, il remontait la généalogie jusqu'au roi Ézéchias. 那这样看起来就好像中间有四代哈、哦。我们说，如果从西西家到西番家就有五代了，应该是五代。Donc de Ézéchias à Sophonie, il s'est écoulé 5 générations. 那就是说这个，让我们知道说，其实这个，这个西番亚是王族之家出来的。Donc nous comprenons que Sophonie descend d'une famille royale. 好，那还有一个重点呢，就是在第一节里头所谈到的这个犹大王约西亚。Donc le roi qui est mentionné dans le verset 1, Josias, qui est roi de Juda. 那我们知道这个约西亚当王的时候，大概是在主前650年那一个时候。Nous savons que Josias était roi à peu près 650 ans avant l'ère le Seigneur Jésus, avant Jésus-Christ. 所以我们说这个西番亚书大概是在主前630年所写的。Nous disons que ce livre a été rédigé environ 630 ans avant Jésus-Christ. 我们都知道这个先知的名字都有它的含义在里头的。Nous savons aussi que les noms portés par les prophètes ont tous une signification. 那西番亚的意思就是神隐藏。Sophonie veut dire Dieu cache. 我们说神会把人隐藏起来。Nous disons que Dieu peut cacher un homme. 就好像在亚哈王的那个时代，神为自己藏起来了很多这些没有拜过巴利的先知。Un peu à l'époque de Acab, Dieu avait caché les prophètes qui n'ont pas adoré Baal. 当这个情况变得很恶劣的时候呢，神会把他属自己的人隐藏起来。Donc quand les circonstances s'empirent, Dieu va cacher ceux qui lui appartiennent. 当然隐藏把他们隐藏起来有他的用意在里头。Il y a une raison à cela. 但这个比如说这个这个环境变得更加良好的时候，那这些先知呢就可以起来为神来服事。Quand les circonstances s'améliorent, à ce moment-là, ces prophètes cachés peuvent à ce moment-là sortir pour servir Dieu. 当然，我们知道说这个隐藏在西番亚书里头也有谈到。Nous savons que dans le livre de Sophonie, on a aussi parlé de cet acte de cacher.我们来看第二章的第三节。Lisons chapitre 2, verset 3. 二章的第三节。Sophonie chapitre 2, verset 3. 世上遵守耶和华典章的谦卑人啊，你们都当寻求耶和华，当寻求公义谦卑，或者在耶和华发怒的日子可以隐藏起来。Cherchez l'Éternel, vous tous humbles de la terre, qui exécutez son ordre. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous préservés au jour de la colère de l'Éternel. Donc on voit que dans ce verset, la signification du nom du prophète est très bien expliquée. 就是说，当神愤怒的日子来到的时候呢，
那凡是寻求神的人都会被隐藏起来。Et ce qui veut dire que au jour de la colère de l'Éternel, ceux qui recherchent Dieu vont être préservés ou cachés. 我们在谈第二章的时候，我们会做进一步的解释。Nous expliquerons plus en détail quand nous étudierons le chapitre 2. 其实，在《西番亚书》里头，当我们进入到第三章的时候，他也有谈到这个隐藏的事。Quand nous aborderons le chapitre 3, nous verrons aussi qu'il va nous parler de cet acte de cacher. 因为第三章其中的一个重点就是说，谁能够留在神的圣山？Un point essentiel dans le chapitre 3 consiste à demander qui va pouvoir subsister sur la montagne de l'Éternel. 在神的圣山，神会特别的照顾、恩待他们。Sur la montagne de l'Éternel, Dieu va prendre soin spécialement d'eux. 那我们这样看的话，我们就知道说，能够留在神的圣山，这本身就是一种的隐藏。Vu sous cet angle-là, nous verrons que pouvoir demeurer sur la montagne de Dieu, c'est en quelque sorte déjà relève du fait de pouvoir se cacher. 好，所以这个隐藏是有很多意思的。Le mot cacher a donc plusieurs interprétations. 好，那我们在看这个西番亚书的时候， quand nous lisons Sophonie, 我们说我们要怎么去分段呢？Comment pouvons-nous répartir les parties, enfin diviser en parties? 我们说我们可以以大纲式的来分，就是比如说一章到第一章到第三章的第八节是第一段。Nous pouvons lire 第一章到第三章第八节。对。Du chapitre 1, verset 1 jusqu'au Verset 8, chapitre 3, cela représente la première partie. 因为这里啊，这一段经文是谈到审判。Car on nous parle du jugement. 我们念过这一卷书的话，我们都知道说，神很愤怒，因为百姓拜偶像。Ceux qui ont lu ce chapitre, ce livre-là, se rendent compte que Dieu était en colère, car le peuple s'est livré à l'idolâtrie.那从第九节三章九节开始呢，就好像有一个转机，就是福星将要来到。À partir du verset 9, on assiste à un tournant. On a l'impression que la restauration va survenir. 一直到这个第三章的二十节。Jusqu'au chapitre 3, verset 20. 所以这里都谈到说神要怎么来去对待他的百姓，就是留在西安里头的人。On nous explique comment Dieu va traiter ceux qui sont restés à Sion. 好，那我们也可以说从第一章到第三章的第八节，这里是谈到神的愤怒。Nous pouvons aussi dire que la première partie parle de la colère de Dieu. 我们在这一段经文里头，会看到说，这个先知有谈到这个神的日子，就是耶和华的日子。Le prophète nous y parle du jour de l'Éternel. 他把这日子呢描写成是愤怒的日子。Il nous parle du jour de l'Éternel comme un jour de colère. 他说这也是极难困苦的日子。C'est aussi un jour de grande détresse. 或者说是荒废凄凉的日子。Ou alors un jour de désolation. 黑暗幽冥，密云乌黑的日子。Et donc c'est un jour d'obscurité, de nuée et de brouillard. 所以神的日子来到的时候，就是要来施行审判。Donc le jour de l'Éternel, quand il arrive, c'est le jour du jugement. 第三章九节开始呢，就谈到这个喜乐，从神来的喜乐。À partir du verset 9, chapitre 3, on commence à nous parler de la joie qui provient de l'Éternel. 我们发现到说那些面对神愤怒的人，是因为他们离开神。Ceux qui doivent faire face à la colère de l'Éternel,
c'est parce qu'ils se sont écartés de l'Éternel. Ceux qui recevront la joie qui vient de l'Éternel sont ceux qui sont restés sur la montagne sainte de l'Éternel. Ce sont des gens qui écoutent l'Éternel et qui se soumettent à l'Éternel. Nous disons que ce sont des gens qui reviennent à Dieu, qui savent se repentir et confesser leurs péchés. Dans le livre de Sophonie, on nous parle aussi du jugement qui va toucher les nations étrangères. À partir du verset 4, chapitre 2, on nous parle des peuples étrangers. 知道说这个外族人不一定是真正这些肉身的外族人，这些以外族人来去讲明说，这些百姓他们的行为啊，跟不信神的人没有什么差别。 Les peuples étrangers ne font pas forcément référence à des étrangers sur le plan charnel, mais simplement une comparaison pour évoquer le peuple dont les actes ressemblent à ceux des gens qui ne croient pas en Dieu. Nous pouvons dire que du verset 1, chapitre 1, verset 1, jusqu'au chapitre 3, verset 8, on nous parle du jugement de Dieu. 那从第三章九节开始呢，是谈到说神要复兴犹大，把他的平安喜乐赐给他们。 À partir du chapitre 3, verset 9, on nous parle de la restauration. Dieu veut accorder la paix à son peuple. 当然我们可以把这一卷说以更细的方法来去分段。 Nous pouvons bien sûr aussi subdiviser de manière plus fine ce livre. 好，那比如说哈，那个第一章，我们在看第一章的时候。 Par exemple, quand nous lisons le chapitre 1. 如果我们从第二节看到第三节。 Si nous lisons du verset 2 au verset 3. 这里好像是全面性的一个审判，就是所有世人，神都要审判。 On a l'impression d'un jugement généralisé, tout ce qui est dans ce monde va être jugé. 接着下来呢，我们发觉到说第一章里头，就是从第四节开始，他这里就谈到神要审判这个犹大。 À partir du verset 4, on voit que Dieu va juger Juda. 那到进入到第二章的时候，第一节到第三节，神开一条出路。 给这些百姓。 À partir du chapitre 2, versets 1 et 2, nous voyons que Dieu va donner une sortie au peuple. 就是警告百姓，或者告诉他们说，你们要来寻求神。 Et d'avertir le peuple en les invitant à chercher Dieu. 那在神发怒的日子，他们可能会被隐藏起来。 Le jour de la colère de Dieu, ils pourront peut-être être préservés. 那我们再看第二章的第四节开始呢，一直到第十五节哈，都在谈到审判犹大的邻国。 À partir du chapitre 2, verset 4 jusqu'au verset 15, on nous parle du jugement des peuples étrangers. 然后我们如果从第三章的第一节开始到第七节呢， 他又谈到说审判耶路，审判这个耶路撒冷。 À partir du chapitre 3, verset 1 au verset 8, on nous parle de l'avertissement à Jérusalem. 第八节是谈到说审判这个全世界的人。 Le verset 8 nous parle du jugement de tous les pays.
好，那我们这样看的话，我们就发觉到说，哎，其实在西班牙书里头所谈到的审判哦，其实是比如说是开始是说审判世界，然后结束的时候也是说审判世界。Donc, quand nous lisons de cette manière-là, nous voyons que Dieu débute par un jugement généralisé du monde et il termine son jugement en parlant aussi du jugement du monde entier. 但是我们知道说，审判，神的审判一定从他的家开始，就是神的团体开始。Mais nous savons que le jugement de Dieu débute toujours par sa maison, c'est-à-dire la collectivité qui appartient à Dieu. 我们知道说这是一个不变的真理啊。Nous savons que c'est une vérité immuable. 一定会从神的家开始。Ça commence toujours par la maison de Dieu. 好，那如果我们要更清楚了解哦，那这一卷书我们必须要去念这个约西亚王的历史。Si nous voulons comprendre le contenu de ce livre, nous devrions relire l'histoire de Josias. 因为在圣经里头哦，这个列王记下呢有特别这样的一个描写哦，对这个皇帝有这样的一个评论。Car dans le deuxième roi, il y a un jugement du roi Josias. 好，我们先来看这个列王记下的二十三章。Disons le deuxième roi, chapitre 23. 我们请打开列王记下的二十三章。Disons le deuxième roi, chapitre 23. 我们念这个二十五节。Verset 25. 列王记下二十三章二十五节。Deuxième roi, chapitre 23, verset 25. 在约西亚以前，没有王向他尽心、尽性、尽力地归向耶和华，遵行摩西的一切律法。在他以后，也没有兴起一个王向他。Avant Josias, il n'y eut pas de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point eu.Est paru de semblable. Amen. 那这里谈到说，这个约西亚王是一个很特别的王。Ici nous voyons Josias comme un roi très particulier. 他很特别，是因为他懂得如何尽心尽性的吼，还有尽力的归向神。Il se démarque des autres rois par le fait qu'il sache revenir à Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. 那从这里也让我们知道说，归向神跟守住神的律法、神的道理是分不开的。À partir de là, nous pouvons aussi comprendre que revenir à Dieu et de observer les lois de Dieu, ce sont deux choses inséparables. 当然他的这个归向哦，哎，我们要看他怎么归向，或者说要看他怎么带领百姓。甚至是祭司跟利未人如何归向神。Revenir à l'Éternel, il faut déjà examiner de quelle manière lui-même ou de quelle manière il guide son peuple, voire les sacrificateurs et les lévites, à revenir à Dieu. 然后就吩咐百姓哦，要遵行摩西的一切律法。Il a aussi demandé à son peuple de l'observer toute la loi de Moïse. 在这里，这个作者的评论是说，在他之前呢，好像没有王，好像他这么尽心的，没有。Donc l'auteur a émis une opinion avant lui, il n'y a pas de roi qui puisse faire être comparé à lui. 那在他以后也没有。Et après lui, il n'y en a pas d'autre. 我们可以这样做一个结论说哈，那这个王啊，在归向神的这件事情呢，他是做的最好的。Nous pouvons donc en conclure que sur le fait de revenir à l'Éternel, il est un roi exemplaire. 我们要查考这个王帝的其中一个目的，就是能够让我们了解到说。当时的这个以色列国还有犹大国哦，他们到底败坏到什么程度 ？Quand nous lisons l'histoire des rois, c'est pour comprendre à quel point l'état d'Israël ou de Juda, à quel point ils étaient corrompus. 当然，在那个时候呢，这个北方啊，北朝已经被亚述国灭了。
le royaume du Nord a été exterminé par la Syrie. 但是他的工作是超越犹大的。他的工作。光在犹大这个地方这个国家而已。谁的工作？这约西亚王。Et donc l'œuvre de Josias ne touche pas simplement le royaume du Nord. 他你发觉到说他甚至也到北方去哈、哦，来协助那里的以色列人来改过。Oh, pardon. Donc il est aussi il, son œuvre ne touche pas simplement le royaume du Sud, mais il va aussi au Nord pour aider le royaume du Nord. 好，那我们在查考这个。这个约西亚王的历史、哦、的时候，我们就知道说为什么西番亚书啊，这个先知啊会谈论到这个神的愤怒啊、其实已经到了极点。Quand nous lisons l'histoire du roi Josias, nous pouvons à ce moment-là comprendre pourquoi le livre de Sophonie nous parle de la colère extrême de Dieu. 因为神非常的生气，因为当时的百姓。已经完全的、全面的离开了神。L'Éternel était vraiment courroucé parce que le peuple s'est complètement écarté de Dieu. 好，现在我们就来看一看这个王帝哈。Maintenant, nous allons voir un peu ce roi. 好，我们先从这个列王记下的二十二章来看。Disons à partir du deuxième roi, chapitre 22. 好，那。这个约西亚当王的时候呢，他的年纪啊很小。Josias a commencé à régner à un très jeune âge. 那他只有八岁。Il avait à peine 8 ans. 那我们知道说那时候犹大国也受到这些之前的王的影响。Nous savons aussi que le royaume de Juda était bien influencé par les rois précédents. 比如说我们在念这个二十一章哦，这个亚门呢？这个亚门呢，行耶和华眼中看为恶的事。Par exemple, Amon, dans le chapitre 21, il faisait ce qui était considéré comme mal devant l'Éternel. 他跟他父亲啊，玛拿西啊所行的一样。Donc il faisait comme Manassé, son père. 那这个玛拿西啊，在圣经里头啊有被提到啊，但是所提的是他的恶。Manassé était mentionné dans la Bible, mais on nous y parle de ses méfaits. 他对这个以色列国、啊、也有很负面的影响。Il avait donc une influence négative sur le royaume de Juda. 我们在看二十二章的时候呢，我们就觉得说，哎，这个约西亚他很小就当王了。Dans le chapitre 22, nous voyons que Josias a commencé à régner très jeune.那他当王三十一年，就是说不到四十岁啊，他就去世了。Il a régné pendant 31 ans, autrement dit, il est décédé avant l'âge de 40 ans. 但值得留意的地方哦，就是他这一个人呢，他从小就行耶和华眼中看为正的事情。Dès son plus jeune âge, il faisait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel.他就照着他这个大卫啊所行的一切来去行，不偏左右。Et il marcha dans toute la voie de David son père, il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. 好，刚才我们在谈这个西番亚的这个的名字的意思的时候，我们说神隐藏嘛，对不对？ Tout à l'heure, quand nous avons expliqué le sens du mot sophonie, nous avons dit que Dieu cache, n'est-ce pas?那我们在看这件事情的时候，就了解到说，虽然当时的这一个世代啊，那么的罪恶，哎，百姓都离开神。Nous voyons qu'à l'époque, c'était une époque de péché et le peuple s'est vraiment écarté de Dieu. 我们可以这样说，神却为自己隐藏了一个非常好的王帝。Nous pouvons dire que Dieu pour lui-même a caché un très bon roi. 这是神的伟大。C'est en quoi Dieu est grand. 有很多时候我们发现到说，比如说在我们的家庭里头，在教会里头，很多事情我们好像没有办法去解决。
Parfois, dans notre famille ou dans l'Église, nous avons l'impression qu'il y a des problèmes auxquels nous ne pouvons apporter aucune solution. 但是我们知道说，这个教会是属于神的。 Mais nous savons que l'Église appartient à Dieu. 他一定会兴起他的人来。 Dieu va certainement susciter ceux qui lui appartiennent. 就是他所隐藏的人。 Tous ceux qu'il a cachés. 他所保守的人。 Tous ceux qu'il a préservés. 但时间到了之后呢，他就怎么样，就让这一些人哦，出来替他服务。 Le moment venu, il va permettre à ces gens-là d'apparaître pour le servir. 耶西瓦这个例子就是借着他，神借着他来改变整个国家。 Josias, c'est l'exemple type où Dieu s'est servi de lui pour réformer tout le pays. 那我们如果看这个撒母耳的那个时代， si nous examinons l'époque de Samuel, 其实也是一样。 Il en était de même. 当时整个社会已经败坏得不得了。 Toute la société de l'époque était corrompue à l'extrême. 而且那当时我们知道说，以利的两个儿子在 在那个神的眼中是恶人呢，其实就是魔鬼的儿子。 Nous savons aussi que les deux fils de Samuel, d'Élie, étaient des vauriens. C'est aux yeux de Dieu, ils appartenaient à Satan. 那神却为自己隐藏了约这个撒母耳。 Mais Dieu a caché Samuel. 那时间到了，那神就把这个两个恶人除去，那撒母耳就出来当士师。 Le moment venu, Dieu a fait disparaître les deux vauriens et a manifesté Samuel pour être juge. Le plus souvent, l'œuvre de Dieu est cachée et l'homme ne peut pas le voir clairement. 但在圣经里头都有很多这样的例子。 Il y a de multiples exemples dans la Bible. 其实就是要告诉我们。 Cela pour nous faire comprendre. 我们对神要有信心。 Il nous faut avoir foi en Dieu. 虽然我们处在的环境很恶劣。 Quand même que nous nous trouvions dans des circonstances hostiles. 但只要我们一心归向神。 Il nous suffit de revenir à Dieu. 在神的面前，我们要追求做一个完全人。 Et chercher à être parfait devant Dieu. 我们要做他所喜悦的事。 Et de faire ce qui lui est agréable. 那你发觉到说，这个神所隐藏的工作，他的旨意就会慢慢的显明出来。 Vous apercevrez à ce moment-là que l'œuvre cachée de Dieu ou sa volonté vont se manifester petit à petit. 其实这是一个很重要的一个观念，也是我们要去了解的。 C'est une notion primordiale que nous devons chercher à comprendre. 我们说神在掌管教会。 Nous disons que Dieu contrôle l'Église. 我们只是他手中的器皿而已。 Nous ne sommes que des vases dans ses mains. 其实我们最大的责任就是要来讨神的喜悦，就是要来 遵守他的吩咐，行出他的真理。 Notre plus grande responsabilité, c'est de lui plaire, d'observer ses commandements et de suivre sa vérité. 好，那我们再看这个约西亚的这个历史哈，他的一生，他这里这样说，他不偏左右，就是说一直都在走正路。 Donc, quand nous voyons le roi Josias, il ne s'écarta ni à droite ni à gauche, autrement dit, il empruntait la bonne voie. 其实这也告诉我们说，我们要得蒙神的隐藏，我们人有一个责任，就是要走正路。 Donc, si nous voulons être préservés par Dieu, notre responsabilité, c'est de marcher dans la bonne voie. 那我们可以想象得到，他年纪这么轻，很 很轻易，很容易就被人影响的。 Nous pouvons nous dire que comme il était si jeune, il pouvait être influencé facilement. 但是他没有被影响。 Mais il ne l'a pas été. 但是从小他就有这种决心来去行神眼中看为正的事情。 Depuis son plus jeune âge, il avait cette détermination à
faire ce qui était droit aux yeux de Dieu. 这是我们要被神隐藏的一个很重要的一个条件，我们必须要去满足的。C'est une condition primordiale pour que nous puissions être préservés et nous devons satisfaire à cette condition. 就是说，在我们比如说在我们的服事当中 ，Par exemple, quand nous servons Dieu, 我们要怎么做 ？Que devons-nous faire？ 我们不可偏左右。Nous ne devons ni s'écarter ni à droite ni à gauche. 我们所做出的一切圣功，我们在服事当中都是为了要讨神的喜悦。Toute la sainte œuvre que nous allons accomplir doit avoir comme but de plaire à Dieu. 那这样神一定会隐藏我们的。灾难的日子来到的时候，我们一定会被隐藏起来。Certainement, le jour de la colère, de la détresse, Dieu va nous préserver. 所以从这样的一个观点来去看的话，我们才知道说灵修是多么的重要。Vu sous cet angle-là, nous pouvons comprendre aussi que l'auto-édification est primordiale. 好，我们现在来看哦，他那一个时候呢，就是从当他当王十八年的时候。Donc une fois qu'il a régné pendant 18 ans.那他就要开始来怎么样修理这个殿的破坏之处。Donc il allait réparer les brèches du temple. 我们可以来看第五节哈。Nous pouvons lire le verset 5. 我们看二十二章的第五节。Deuxième roi, chapitre 22, verset 5. 二十二章的第五节。那交给耶和华殿里办事的人，使他们转交耶和华殿里做工的人，好修理殿的破坏之处。Et donc, on le remettra entre les mains de ceux qui ont de la responsabilité de faire l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Ils le donneront à ceux qui font l'ouvrage dans la maison de l'Éternel pour réparer les dégradations de la maison. 那在这里哈，他吩咐他的书记啊，沙番呢、啊，要去殿里见这个祭司，大祭司。Et donc il demandait à son secrétaire, Chafan, d'aller voir le souverain sacrificateur. 那这个大祭司的名字叫希勒家。Et le grand sacrificateur s'appelait Ilkia. 我们知道说有人会来奉献呢、啊，这个银钱呢、啊，他就请他们去算一算。那然后呢？希望用这些钱来去修补这个圣殿破坏的地方。Comme il y avait des gens qui offraient de l'argent, il fallait faire l'inventaire de cet argent et avec cet argent-là aller réparer les dégradations de la maison de Dieu. 好，在这里也可以让我们发觉到一件事情。Ici, nous pouvons nous apercevoir d'une chose. 在他之前呢，有很多王帝啊。Avant lui, il y avait beaucoup de rois.那就看起来他们都没有发觉到说这个圣殿好像已经有破坏之处了。Apparemment, ces rois-là ne se sont pas aperçus qu'il y avait des brèches dans la maison de l'Éternel. 可能他们根本就不理会神的殿。Ou alors, ils ne se préoccupaient pas du tout de la maison de Dieu. 其实我们可以来做这样的一个分析。Nous pouvons procéder à cette analyse. 因为之前的王啊，有很多都是恶王。Beaucoup de rois étaient des mauvais rois. 那个一个行恶的人呢，他们的心一定不会放在神的事情上。Quelqu'un qui faisait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, bien sûr, il ne se préoccupait pas de la maison de Dieu. 或者我们说，一个对神不忠的人，绝对看不到圣殿的破口。Ou alors quelqu'un qui n'est pas fidèle à Dieu, il ne s'aperçoit jamais des dégradations de la maison de Dieu.如果我们把这件事情提升到属灵的层面来去讲 ，Et si nous transposons sur un plan spirituel pour parler， 我们都知道说我们教会有破口啊，我们可以这样说不少的破口。Nous savons aussi que notre église a beaucoup de brèches。我们说知道是一回事，看见又是另外一回事。D'en prendre conscience est une chose et de voir c'est une autre chose。但是有时候我们觉得说我们没有办法看到、啊。Quelquefois, nous avons l'impression que nous ne pouvons pas voir. 破口在哪里啊 ？Où se trouvent les brèches？ 有这个必要来去修补这些破坏的地方吗 ？Est-ce qu'il y a une nécessité à réparer ces brèches？ 这个能看得见或者
怎么说，看得见或者看不见、哦、不是说比如说你当传道有多久了？ De voir et ne pas voir n'est pas lié à la durée du service d'un pasteur. 那其实最重要就是说，我们平时是不是行神眼中所看为正的事？ Ce qui est important, c'est de savoir si en temps normal, nous faisons ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. 如果我们平时就要求我们不偏左右要行神的道。Si en temps normal, nous exigeons de nous-mêmes de marcher dans la bonne voie, ne pas s'écarter à droite, ni à droite, ni à gauche. 很自然的，我们一定会看到教会不足的地方。Naturellement. 那我们也很希望说这些地方能够被改过来。Naturellement, nous allons nous apercevoir des insuffisances de l'Église et nous pouvons aussi souhaiter que ces choses-là puissent être corrigées. 所以他呢就这个西这个约西亚就请这个大祭司还有去数一数那个百姓奉献的这个金额，然后来做这个修殿的这个费用。C'est ainsi que Josias a invité le grand sacrificateur à faire l'inventaire des offrandes et de s'en servir pour réparer les dégradations de la maison de l'Éternel. 好，那这里哦。让我们知道说这个约西亚的心是放在神的殿。Nous voyons donc que le cœur de Josias est placé dans la maison de l'Éternel. 他很关心这个神的事情。Il se préoccupait beaucoup des affaires de Dieu. 好，那在这个过程当中有一件奇迹发生。Et pendant ce toutes ces périodes, un miracle est survenu. 好，我们来看这个第八节。Verset 8. 这是一件很奇妙的事情。C'est quelque chose de merveilleux. 那第八节说，大祭司希勒家对书记沙番说，我在耶和华殿里得了律法书。那希勒家将书递给沙番，沙番就看了。Alors le souverain sacrificateur Hilkia dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Hilkia donna le livre à Shaphan qui le lut. Amen. 好，我们要知道说这个约西亚的事情在这个历代志下也是有记载的，就是34章跟35章有记载。Nous savons aussi que l'histoire de Josias est relatée dans le deuxième chronique chapitre 34 et 35. 好，我们看那个，我们来看一下这个历代志下哈。Lisons le deuxième roi, le deuxième chronique. 历代志下的三十四章。Chapitre 34. 好，我们看三十四章的十四节。Verset 14.好，那你如果看中文的翻译，他是说他们将奉到耶和华殿的银子运出来的时候，祭司希勒家偶然得了摩西所传耶和华的律法书。Si nous disons la version chinoise, ce qui est écrit, c'est quand on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Hilkia trouva par hasard.Le livre de la loi de l'Éternel donné par l'intermédiaire de Moïse. 那这个偶然是加进去的了。Et donc le mot par hasard a été ajouté. 因为是虚线了，就是说那个翻译的人自己加进去的。Donc c'est le traducteur qui a ajouté ce mot. 但是你如果看外文版，他是说他找到的。Et donc si vous lisez les versions en langue étrangère, il trouva. 好，我们来这样来想一下。Nous pouvons.Réfléchir. 为什么在约西亚这个时这个当王的这个时段里头呢，这个书律法书就被找到了呢？ Comment se fait-il que ce livre soit trouvé pendant le règne de Josias? 我们可以这样说，这个律法书，神把它隐藏起来。Nous pouvons dire que ce livre, Dieu l'avait caché. 那为什么要这样说？不过是历史啦。那如果其他的那些不好的王，如果他们发现了
si c'était des mauvais rois qui ont trouvé ce livre. 那第一有好几个可能性、啊、第一他们根本就不会理会这律法书。Il y a plusieurs possibilités. Premièrement, ils peuvent n'accorder aucune importance. 以当时他们的这种敬拜的心态来看，他们已经完全归向偶像了、哦、那他们一定会怎么藐视神的律法书。De la manière dont ils vénéraient Dieu, ils se sont déjà complètement tournés vers les idoles. Ils auraient méprisé ce livre. 那更糟的会怎么样？会把这律法书毁掉。Ce qui est encore pire, c'est de, en fait, de détruire ce livre. 因为律法书都在讲咒诅啊，说你们这些拜偶像的哈，那会得到怎么样的咒诅？那你想说他们看了会怎么样？一定会把它烧掉。Parce que le livre de la loi de l'Éternel parle est rempli de malédictions envers ceux qui se livrent à l'idolâtrie. Donc en lisant cela, ils vont certainement le détruire. Ici, nous pouvons donc savoir que le livre a été caché par Dieu. Le moment venu, Dieu manifeste, permet à ce livre d'émerger pour qu'il soit enseigné au peuple. 这是神奇妙的作为。C'est une œuvre merveilleuse de Dieu. 我们在查考这个，我们说这个圣经怎么组成的这个历史当中啊，我们也发觉到说神一直在保守着他的话语。Quand nous examinons la manière dont la Bible a été composée, nous voyons aussi que Dieu sans cesse préserva sa parole.有些罗马皇帝要把所有的圣经都烧掉。Il y avait certains empereurs romains qui voulaient faire brûler toutes les Bibles. 神却把他的话语隐藏起来。Mais Dieu a préservé ou caché sa parole. 没有因为这些皇帝的恶而让他的话语、哦、就从此消失了。Et de ne pas laisser agir le mal de ces empereurs et de.Qui voulait faire disparaître la parole de Dieu. 所以我们看回这个约西亚王哈，当时这个大祭司他找到这个律法书啊，不是一件偶然的事情，其实是神在隐藏。Donc si nous revenons à l'histoire de Josias, nous voyons que ce grand sacrificateur, s'il a trouvé ce livre, ce n'était pas par hasard, mais Dieu qui l'a caché. 好，那我想说哈，我们这一节课就讲到这里。Donc je vais m'arrêter ici pour cette